Alors, bonjour à tout le monde. Merci de vous joindre aujourd'hui avec nous. On va commencer bientôt. Il est 10 heures maintenant. Je peux vous signaler qu'il est 10 heures. Alors, bonjour à tout le monde. On va parler aujourd'hui de Teams. Alors, merci de vous joindre à nous. Euh, J'espère que qu ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va être assez utile pour vous, cette session. Euh, je voulais aussi vous avertir qu'on va y aller à travers. Il y aura beaucoup d'informations. Si vous trouvez qu'il y en a beaucoup à savoir, vous ne s'en faites pas. Euh, prenez des notes si vous avez besoin. Mais si on apprend deux, trois choses aujourd'hui et on oublie quelques autres choses, c'est normal. Il y a beaucoup d'informations qui vont être poussées. Alors, stressez pas si à un moment donné, on se dit waouh, c'était beaucoup. Euh, oui, on va aller à travers 0 à 100, le Teams au complet. Alors pour aujourd'hui, euh, J'espère qu'on va être capable de poser des questions si on en a. Alors, stressez pas si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous allez avoir l'opportunité, je vais vous laisser du temps pour venir répondre à ce qu'il y a dans l'audience. Donc, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui voulait faire euh, un, un announcement avant que je commence ou quelque chose. Sinon, je pourrais embarquer à l'instant. Parfait. Alors, je vais vous inviter à fermer la caméra pour la, la réunion d'aujourd'hui au cas que les gens ont de la misère avec leur Internet, leur Wi-Fi un peu moins fiable. Ça va être un peu moins de données à venir échanger entre eux et ma présentation. Donc, ça va être plus facile aux gens de suivre euh, si leur connexion n'est pas très bonne. Alors, personnellement, moi, je vais arrêter de partager mon écran à l'instant. Euh, pardon, la caméra et je vais partager mon écran. On va commencer dans un PowerPoint. Vous n'en faites pas. Ce n'est pas une heure de PowerPoint aujourd'hui. Alors la formation, on va commencer avec une petite introduction et après ça, on va s'en aller vraiment dans l'environnement Teams où est-ce qu'on peut voir étape par étape qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, oh, ne pas enregistrer. Parfait. Alors aujourd'hui, on commence avec la base de Teams. On va aller à travers pas mal tout euh, l'environnement et les options qu'on a. Alors, avant d'embarquer, Sauf, j'aimerais me présenter. Euh, alors, aujourd'hui, en tant que votre présentateur, c'est moi, David Santin, gestionnaire du programme succès client chez Microsoft Canada. Alors, je m'occupe des formations comme celle-ci au Canada français. Euh, si vous avez déjà, ça se peut que vous m'avez vu au passé, j'offre des formations au public qui vous sont accessibles. Si jamais vous voulez y accéder, faites juste m'envoyer un courriel. Je vais être capable de vous envoyer les liens pour les enregistrements qu'on a envoyés au passé. J'aimerais vous parler de la mission de Microsoft avant de commencer. Alors, Microsoft, sa mission, c'est de donner à chaque personne et chaque organisation de la planète les moyens de se dépasser. Et ça, ça traduit en éducation à venir donner à chaque élève de la planète les moyens de se dépasser. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de vous donner les connaissances que vous avez besoin pour être capable d'utiliser nos outils pour ensuite donner la meilleure éducation à vos élèves que vous pouvez. À la fin du cours, je vais vous parler euh, du centre de l'enseignant Microsoft. Si on ne connaît pas, c'est une superbe ressource à avoir. Alors là, on va être capable de retrouver plusieurs cours qu'on peut faire asynchrone. Euh, ça, ça dure d'environ une demi-heure à une heure chaque cours. Ça peut être assez vite. Euh, on peut apprendre une panoplie de choses. Et ensuite, on se fait accréditer des badges et on a aussi une transcription qui vient avec ça. Donc, un document PDF qu'on peut avoir, qu'on peut partager soit sur un portfolio en ligne professionnel ou euh, avec notre direction si c'est quelque chose d'intérêt. Pour leur démontrer tous les efforts qu'on a fait, qu'on a mis pour venir euh, apprendre et se pousser en tant que professionnel. Si on fait deux heures de cours avec nous, on se fait accréditer le badge MIE, donc euh, vous avez une certification qui vient avec ça. Ça dit que vous êtes euh, éducateur innovateur Microsoft. Ça atteste que vous avez mis l'effort pour vraiment pousser un peu plus loin avec votre apprentissage, avec votre euh, développement pédagogique quand ça vient aux outils en ligne. Je m'élance dans Teams et on va commencer la formation. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le compte d'une enseignante fictive. Alors, Cara Coleman, ça vous démontre que mon compte en ce moment, c'est une enseignante et non euh, un compte de Microsoft qui va avoir des accès que vous n'avez pas. Si j'ai accès à quelque chose que vous n'avez pas, c'est parce que votre TI l'a bloqué. Euh, mais en général, mon compte est un compte d'enseignant. Alors, au départ, on va arriver et on va commencer dans office.com. Alors, si on n'a jamais vu au passé, Office.com, c'est la page de lancement de toutes les applications que vous avez accès en tant qu'éducateur. <coughs> Faites sûr de vous connecter avec votre compte professionnel, donc votre compte de l'école. Si on se connecte avec notre compte personnel, ça se peut qu'on n'ait pas accès vraiment aux outils éducatifs comme le class Notebook qu'on trouve ici. Alors, si on se connecte avec l'adresse courriel de l'école, on peut aussi avoir accès ici à installer Office. Donc, si on se demandait comment est-ce que je peux avoir Word, Excel, PowerPoint sur mon bureau, c'est le bouton en haut ici à droite. Tout dépendamment de la licence de votre école, euh, vous pourriez avoir une dizaine de téléchargements possibles. Alors, parlez avec, euh, soit votre direction votre département TI, voir c'est quoi la, la limite que vous avez. Mais en général, une dizaine de téléchargements. Qu'est-ce qui veut dire que votre ordinateur portable, votre ordinateur à la maison, peut-être votre ordinateur dans la classe, on peut venir télécharger la suite Office sur le bureau Plusieurs fois. Donc, ici à gauche, on va retrouver Teams. Si vous ne voyez pas dans, va, dans votre barre de lancement, ça se peut qu'on va le retrouver dans les applications, dans le menu GoFree. Alors, on va trouver toutes les applications. Et là, je peux écrire Teams il va apparaître. Ou j'ai aussi accès en bas à gauche à toutes les applications qui vont venir m'ouvrir mes applications. Et là, en ordre alphabétique, je retrouve Teams en bas à gauche et je le lance. Ça va m'ouvrir déjà dans une classe. Je vais venir me ramener à l'arrière. Donc, Teams. Là, on va aller à travers tout ce qu'on voit ici. Pour vous, ça se peut qu'il y a deux possibilités. Alors, je vais fermer un petit onglet ici au départ. La possibilité, c'est que soit je me connecte et ça, ça ressemble à ça. Il n'y a rien, c'est complètement vide. Et ça, c'est normal, vous n'en faites pas. C'est notre première fois avec Teams, ça peut être vide. Il y a aussi certaines écoles que votre département TI va faire en sorte que. Les élèves qui se sont enregistrés à votre classe vont s'ajouter automatiquement dans une classe pré-créée pour vous. Alors aujourd'hui, je vais aller à travers comment j'en crée une classe. Euh, si c'est pré-créé pour vous, c'est quand même une bonne idée de voir comment ça se fait. Euh, de toute façon, c'est quelques clics. Et après ça, on va continuer de là. Donc avant de commencer dans mes classes, je veux vous parler un peu de l'interface. Et après ça, on va aller voir c'est quoi créer une classe et qu'est-ce que je retrouve. Donc au départ, on a le menu gaufré en haut à gauche. Donc pour retourner dans mes applications Teams, ça se retrouve ici. Quand je travaille sur office.com en ligne, je vais toujours avoir mon petit menu. Alors ça, c'est vraiment plus pour Office que pour Teams. Après ça, ici, on a la barre qu'on appelle l'espace à nous. Donc c'est mon espace à moi. Et après ça, c'est l'espace partagé avec tout le monde. Alors mon espace, notre espace. Si on aime ça comme faire l'emphase, parce que ici, la barre de gauche, c'est tout ce qui a rapport avec moi. Et le moment que je me tombe ici dans l'espace, la, la grosse euh, écran, c'est là qu'on va voir l'espace de partage. Alors Teams, c'est vraiment fait pour être une espace de partage. En général, tout ce que je fais ici, c'est avec quelqu'un d'autre. Et si je veux voir qu ce qui est à moi, je vais le retrouver ici à gauche. Donc, je retrouve les activités qui se passe dans Teams qui ont rapport avec moi. Donc, activité ici, c'est euh, si on utilise quelque chose, si on a déjà utilisé en ligne les médias sociaux, c'est un peu les mêmes choses, les notifications. Tout ce qui a rapport avec vous qui s'est fait envoyer à votre bord. Ensuite, on a le clavardage qui a rapport avec vous. Donc, les messages que vous avez envoyés et qui vous ont été envoyés par le clavardage. Vous avez vos équipes à vous, les devoirs que vous avez assignés, votre calendrier. Et aussi un menu, ça se peut qu'il l'aille ou qu'il l'aille pas, mais un menu aussi pour faire des appels euh, de votre bord Et vos fichiers qu'on a partagés à l'intérieur de Teams. Alors, c'est ça qu'on va retrouver à la barre de gauche par défaut. Ensuite, là, on va aller voir, on va commencer à faire une équipe Teams. Donc, je m'en vais dans mes équipes et là, on va voir, imaginons que c'est vide. Je vais venir en haut à droite et on peut commencer « Rejoindre ou créer une équipe ». Quand j'appuie sur le bouton, ça me remet ici. Alors, pour vos élèves, on va aussi voir, eux, pour rejoindre votre équipe, vous allez avoir l'option de l'ajouter, l'élève, ou on a aussi l'option de créer un code, euh, je vais vous montrer comment, que l'élève peut utiliser et c'est ici qu'ils vont rentrer le code pour rejoindre votre équipe s'ils se joignent au futur. Pour commencer, soit il faut venir ici « Créer une équipe ». Alors, ici, on a certaines options. Ça se peut que ça a été créé pour vous. On va créer une classe, parce qu'ici, on va enseigner. Alors, je commence une classe Teams. Et là, ça va me demander de mettre un nom. Faites attention quand on nomme notre équipe Teams, on peut juste avoir une seule équipe dans votre organisation avec le, même, avec le nom d'un Teams. Ça veut dire que si j'appelle mon équipe classe de sciences, je suis la seule personne dans toute l'Université d'Ottawa qui va être capable de s'appeler classe de sciences. Alors, pour résoudre les problèmes, pour que ce soit plus simple, si on veut réutiliser un peu le, le même nom chaque année, peut-être que je vais m'appeler euh, Science de la nature. Euh, je ne sais pas, 203, groupe 2, hiver 2021. Et là, l'année prochaine, je vais être capable de refaire une autre classe qui va s'appeler Science de la nature 203.02. Mais je vais l'appeler, disons, Printemps 2021. Et là, à chaque fois, je vais juste changer. Ceci. Comme ça, je peux me refaire une équipe avec le nom que j'ai besoin. Et tant que je garde ça assez euh, le plus spécifique possible, j'ai moins de bâtons dans les roues au futur. Je peux aussi ajouter une description, mais ça, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. On va faire suivant. Et là, ici, ça va me demander d'ajouter soit des enseignants que j'enseigne je, que avec ou des étudiants dans mon équipe. Quand on commence une équipe, c'est vous qui la créez. Je vais vous suggérer de ne pas ajouter d'étudiants au départ. On va ignorer. Parce que là, on va essayer de bâtir notre Teams. On va bâtir notre classe avant d'acheter les élèves. Donc, au départ, une classe par défaut, quand je rentre dedans, il n'y a rien, ce n'est pas peuplé. Ça ressemble à ça. Alors, on a ici à gauche, on va retrouver ce qu'on appelle les canaux. Donc, le canal général est le premier il va toujours se générer, c'est où est-ce que tout le monde qui va se joindre à mon équipe va avoir accès au canal général, c'est là qu'ils vont se faire rediriger à chaque fois qu'ils joignent mon équipe. Le canal général est muni de cinq onglets dans une classe de, pour l'enseignement. Donc, dans Teams, ma classe, on va avoir les publications en premier, qui est ici, je vais vous montrer c'est quoi. On a l'espace de fichiers. Alors, les choses que j'ai à partager avec mes élèves. On a aussi un bloc-notes pour la classe. On a un onglet pour euh, donner et euh, assigner, affecter et corriger les devoirs. Et j'ai un onglet pour les notes de mes élèves. Alors, si une note, c'est vraiment, on parle de 95 100 80 peu importe. Alors, au départ, on va commencer, on va commencer ici, le premier onglet, les publications. Alors, dans les publications, en bas à gauche, vous allez trouver qu'on peut commencer une nouvelle conversation. En publication ici, c'est comme le, le newsfeed. C'est quest ce qu'on va envoyer aux élèves au fur et à mesure de la classe. Si j'ai des nouvelles à leur apporter euh, ou si je commence une réunion, je leur affecte un devoir. Ça va tout se mettre ici. Donc, euh, c'est leur notification de quest ce qui se passe dans la classe. Alors, vous voyez ici par défaut, c'est une petite barre blanche que je peux écrire. Le plus intéressant ici, c'est si j'appuie en dessous le, le A avec le crayon, ça me laisse agrandir l'espace. Et là, j'ai vraiment beaucoup d'options. À comment je vais venir communiquer avec mes élèves. Donc, je peux ajouter un sujet. Je peux aussi venir écrire ici euh, mon texte. En haut à gauche, on a aussi des options. Alors, ici, c'est une conversation. Peut-être que je veux prendre l'attention, je peux faire une annonce. Alors, la différence si vous voyez que j'ai une grosse barre qui apparaît et je peux choisir un arrière-plan à ma barre, donc une couleur. Alors, peut-être que je vais mettre un bienvenu. Euh, à la classe. Alors ici, euh, on va écrire « Science de la nature 203.02 ». Et là, je peux taper un message à ma classe. Alors, j'envoie le « Bienvenue, Science de la nature » et là, je vais leur dire euh, « Bonne année ouais. ». Peu importe qu'est-ce que vous avez besoin de leur envoyer comme message. Alors, j'écris mon texte ici. J'ai des options de police donc je peux avoir du gras, je peux avoir ici de l'italique. Je peux aussi changer mes paragraphes, venir travailler un peu avec mon écriture alors ce que je veux la grande, moyenne, petite. Les options de police un peu limitées mais c'est mieux, j'ai moins de recherches à faire. Alors ici, je peux aussi marquer mon message comme important, comme ça ici ça va être ça va notifier dans les activités de mes élèves, leur dire qu'un message important qui a été envoyé. Un bouton très intéressant. S'il y a un test qui arrive, je vais faire en sorte que mes élèves, je ne veux pas que quelqu'un arrive, la journée du test me dise, ah, oh, oui, j'avais oublié. On peut me marquer important, comme ça, ça va vraiment leur apparaître qu'il y a quelque chose qui devrait payer attention à. Je peux publier dans plusieurs canaux. On va voir c'est quoi des canaux après, mais on va commencer juste ici. Euh, et ensuite, je peux activer les réponses. Donc, euh, ce que je veux qu'il y ait des commentaires d'ajouter à mon euh, message ou je peux les désactiver? Donc, quand j'appuie sur la flèche en bas à droite, ça va mettre mon premier poste dans les publications. Alors, moi, j'ai activé l'espace de réponse. On aurait pu faire que seulement moi et les autres modérateurs, donc les autres professeurs, peuvent répondre. J'ai mis que tout le monde, donc mes élèves peuvent venir me dire, ah, merci madame, bonne année à vous aussi, j'ai hâte, euh, je pas trouvé la lecture, bla, bla, bla. Donc, on peut venir communiquer ici dans les réponses. Alors, ça, c'est par défaut les publications. Comment est-ce que je viens de communiquer avec mes élèves? Euh, si je le mets dans le canal général, tous mes élèves vont avoir le petit activité qui leur dit il y a eu un nouveau message. Alors, je parlais de canaux. Chaque canal va être muni de sa propre banque de fichiers. Alors, ici, canal général par défaut, les fichiers qu'on va retrouver à l'intérieur, il va avoir deux espaces. On va voir mon premier dossier qui se fait générer automatiquement. Juste le canal général des classes euh, Teams, donc une classe dans Teams, un canal général. C'est à seule place qu'on retrouve ce dossier. Ce dossier-là qui se crée toute seule, c'est un espace parce que quand j'appuie dessus, ça va venir vous le dire. Tous les dossiers que je mets à l'intérieur ici ne peuvent être que consultés par les élèves. Alors, si je veux envoyer des notes à mes élèves jusqu'à ce qu'ils soient capables de lire ce que je leur envoie, je vais mettre des PDF, quelque chose, quelque chose à consulter, je le mets dans le support de cours. Et par défaut, oui, ça veut dire que si je mets un document ici, donc si je fais nouveau, euh, je mets un, un Word, je vais l'appeler document 1. Alors, ici, dans ma base de fichiers, j'ai ouvert un nouveau Word. Et là, ça va me l'ouvrir dans l'onglet Teams. Intéressant, quand je commence un nouveau dossier, ça ne me redirige pas dans un autre onglet. Je reste dans Teams. En haut à droite, je peux le fermer. Alors, ici, ça se ferme. Et comme vous voyez ici, j'avais fait un nouveau document Word. Il est ouvert dans Teams. Il se fait sauvegarder ici. Où est-ce que je l'ai commencé? Dans mes fichiers du canal général de ma classe de sciences. Mais là, faites attention. Ce document-là, il est à l'extérieur de mes supports de cours. Ça veut dire que toutes mes élèves ont accès à document 1 pour venir le modifier. Et là, ce n'est pas chacun de mes élèves a document 1 à eux seulement. Ce n'est pas une photocopie que j'ai envoyée à 50 personnes. C'est vraiment un document que j'ai ouvert et tout le monde dans ma classe a un crayon et ils sont capables de venir travailler dessus avec moi. Alors, ici, en ce moment, ce document-là, c'est intéressant d'être capable de faire ça si vous pensez que vous avez besoin d'un un, travail de groupe ou vous voulez faire un gros projet où est-ce que tout le monde vient travailler ensemble ou vous avez peut-être une page Excel où est-ce que vous dites OK, venez insérer le nom de votre groupe et à l'heure que vous voulez faire votre présentation, donc vous envoyez des, des lectures à faire à chaque, à chaque semaine, un différent groupe va venir parler de la lecture et partager avec les autres. On peut mettre un document Excel ici, et là, tout le monde peut juste venir à l'intérieur, écrire leur nom, la date, et c'est fait. On est aussi capable de voir la dernière personne qui a édité. Donc, si quelqu'un essaie de faire un mauvais tour, prendre la place de quelqu'un d'autre, on peut voir qu'est-ce qui a fait ça. Tout le monde peut venir ici éditer ce qu'il a là. Si je le mets dans le support de cours, mes élèves peuvent voir, mais ne peuvent pas modifier le document. Alors, ça, c'est important à savoir. Ensuite, on a le bloc-notes de la classe. Ici, il n'est pas encore ouvert. On va y retourner à la fin. Euh, on va voir, ça nous, ça nous met un step by step, étape par étape, comment est-ce que je viens à l'intérieur du bloc notes, qu'est-ce qui est accessible ici. L'onglet de devoir aussi, quelque chose qui est dans l'onglet euh, du canal général. Alors ici, il est vide. Quand on appuie sur prise en main, ça va venir ouvrir et je peux créer en bas à gauche un devoir, un questionnaire. Et ensuite, mon onglet de notes va être vide euh, parce que je n'ai pas d'étudiants qui ont eu des notes pour l'instant. On va revisiter ça un peu plus tard. Donc, le canal général, c'est vraiment la base de où est-ce que vos élèves vont venir pour retrouver des documents de cours et pour venir aussi regarder leurs devoirs et leurs notes. On peut aussi ajouter, qu'est-ce que je parlais depuis tantôt, des canaux, des canaux. Alors, en appuyant sur les trois petits points ici, je suis capable de venir à l'intérieur de mon Teams. <coughs> Et je peux ajouter un canal. Alors, par défaut, un canal, qu'est-ce que c'est? C'est si, disons, mes élèves, oui, on a le canal général, c'est qu'ils vont trouver toutes leurs leur notes de cours. Peut-être que je veux les séparer en sous-groupes. Donc, je veux donner un espace à chaque groupe, euh, un espace pour leur fichier à eux, un espace pour que mes élèves puissent travailler ensemble. Je peux leur créer un canal pour ça. Je peux aussi, disons, on a un, un événement spécial. Peut-être que NASA vient nous parler. Alors, peut-être qu'il y a un, un, une semaine, NASA vient parler et il y a une, une panoplie de documents à venir consulter pour ça. Je peux l'ouvrir ici. Je peux faire un, un nouveau canal NASA, disons. Euh, ou je peux aussi venir séparer ça, si vous préférez, euh, par unité. Donc, chaque unité aurait sa propre environnement. Mais on va parler un peu de qu ce qui se passe dans les canal. Alors, je vais en créer un. On va l'appeler NASA. <laughs> je vais mettre standard. On va retourner dans deux instants voir c'est quoi les autres options. Donc, il y a standard ou privé. On va parler de la différence bientôt. Et ici en bas, afficher uniquement ce canal dans la liste des canaux de tous les membres. Pardon, automatiquement, pas uniquement. Donc, je vais le cocher. Ça veut dire que quand mes élèves s'ajoutent à ma classe, ils vont voir ici canal général. Ils vont voir le canal NASA. Le canal ici, vous allez voir, c'est un autre emplacement. Il y a moins de, de tables ici. J'ai des publications encore. Donc, je me commence une nouvel environnement pour, le, le, pour se parler. Il y a aussi un nouvel environnement de fichiers. Vous allez voir ici, je n'ai pas le document de support de classe. Qu'est-ce qui veut dire que la bibliothèque de fichiers ici, dans mon canal NASA, est une bibliothèque partagée? Alors encore une fois, si je veux mettre un document qui est juste pour visionnement, il doit être mis dans le canal général, dans le dossier qu'on va retrouver là. Si je ouvre... Un nouveau canal. Ici, ça me crée une banque de données partagées. Et les notes ici, ça va être les notes, disons que je, je prends des notes durant un, comment dire, une réunion. Alors, les notes de réunion, si je fais une réunion dans le canal NASA, les notes que j'ai prises vont se retrouver ici. Alors, ça, ce pas les, les notes de cours de 100%, 90%, c'est vraiment des notes des, des mots qu'on a écrits pour se rappeler des choses. Donc, pour, il faut penser un peu à comment ce que je veux que ma classe ressemble. Les, canals, les canaux pardon, deviennent un peu plus intéressants si on pense à toutes mes notes de cours ça se retrouvent dans le Général. Et après ça, un canal, je pourrais les créer pour des environnements dédiés aux élèves. Alors, un bon canal à avoir dans un Teams, ça va être, disons, un canal sur... Euh, alors, peut-être de Aide. Alors, je sais que mes élèves ont beaucoup de questions à se poser. Peut-être que j'ajoute un canal d'Aide. Et là, ça va être à eux, disons qu'ils ont des problèmes avec un, un devoir, quelque chose. Je vais leur dire, venez dans le canal Aide. Ici, on va être capable euh, de commencer une nouvelle conversation. Alors, un élève va être capable de venir dire, ah, je n'ai pas compris euh, question 3. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Et ça vous donne aussi une vision automatique de voir qui est-ce qui fait quoi, c'est quoi qui donne du trouble aux gens et aussi faire sûr qu'ils ne viennent pas se donner des réponses. Alors, on peut avoir euh, un aperçu de ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui est aussi bon de leur ouvrir un canal AIDE? C'est que si on enseigne en ligne, on n'est pas en personne. Dans une classe, les gens sont capables de se, se rejoindre, se parler, peut-être voir un peu euh, après la classe en personne. Mais quand on est à distance, c'est dur de trouver quelqu'un pour te, étudier avec. Si on ne connaît personne dans la classe, comment est-ce que je me construis un groupe pour étudier quelqu'un qui peut venir m'aider? Si on leur donne un espace, qu'ils sont capables de venir se parler ensemble, on leur donne l'opportunité. De venir créer ces relations-là. C'est sûr que ce n'est pas aussi facile qu'en personne, mais au moins, là, ils ont l'avenue pour retrouver d'autres gens qui peuvent commencer à travailler ensemble et s'entraider. Parce que l'entraide, c'est très important, euh, surtout quand on essaie d'étudier, d'enseigner. Étudier toute seule, c'est toujours un peu plus difficile que de le faire en groupe. Et encore une fois, on peut avoir peut-être des fichiers ici. Euh, on peut avoir peut-être office hours. Alors là, les étudiants doivent venir à l'intérieur. Et ils peuvent venir se bouquer avec vous du temps personnel si on a besoin. Alors, ça, c'est les canaux en général. On voyait les canaux de base. On peut aussi avoir un canal privé. Alors là, tout qu ce qu'on a fait en ce moment, c'est les canaux que tous mes étudiants peuvent venir à l'intérieur d'eux et travailler ensemble. Tout le monde y a accès. Si, disons que j'ai des groupes de labo où j'ai fait des sous-groupes dans ma classe que je veux qu'ils travaillent ensemble, on peut leur dire vous êtes un groupe, allez travailler tout seul. Là, eux sont capables de venir commencer des documents de leur bord, sont capables de travailler tout seule. Ou je peux leur donner un environnement dans la classe Teams où est-ce qu'ils peuvent se regrouper. Alors peut-être que je vais dire groupe de présentation. 1. Alors peut-être que j'ai cinq groupes comme celui-ci. Et en bas dans ma confidentialité. À place de l'avoir standard, je peux le mettre privé. Et là, dans un groupe privé, il va falloir que je choisisse qui est-ce que de mes élèves vont y avoir accès. Alors, pour l'instant, on a vu, je n'avais pas ajouté d'élèves au départ. Alors, je vais le laisser vide. Alors, vous voyez qu'il y a un petit cadenas. Alors, ici, ce groupe est barré. Si on ne fait pas partie du groupe, je ne vais pas le voir. Alors, un élève qui ne fait pas partie de groupe 1 en ce moment, Vont voir général, aide, NASA. Celui-ci ne va même pas exister pour eux. Et là, ça crée un espace. On passe encore à la bibliothèque de fichiers. Elle est en partage. Ça fait en sorte que maintenant, groupe 1, les 5-10 élèves que j'ai ajoutés ici, sont capables de travailler ensemble dans des dossiers sans que les autres groupes soient capables de venir éditer ou voir. Alors, ça outre un peu les options de plagiat. On fait en sorte que c'est un groupe qui travaille ensemble sur un environnement protégé. Alors, par défaut, on peut avoir 200 canaux généraux comme ceux-ci et on peut avoir 30 canaux privés dans une équipe. Faites attention, les canaux privés sont munis de qu ce qu'on appelle une police de rétention. Alors, si on l'efface, si je viens ici, j'appuie sur mes trois petits points et je dis supprimer le canal, le canal va rester en vie pendant 90 jours. Alors, on a une police de rétention pour que votre département TI peut revenir à l'intérieur si on a effacé par erreur. Ils peuvent venir régénérer ce que vous avez effacé. Ça veut dire, sauf que ma limite de 30 canals privés, si je n'efface un, il fait encore partie de ma limite de 30 parce qu'il reste en vie pendant 90 jours. Alors, faites très attention. Euh, venez pas en faire une vingtaine et là, oups, je ne voulais pas en faire, les effacer. Euh, ça passe assez vite les 30. Alors, si vous avez des groupes à faire, essayez de planifier soit que, si on veut leur donner un canal privé, planifier d'avoir 30 groupes maximum, ou peut-être, euh, comme d'habitude, faire confiance que les élèves vont être capables de se regrouper eux-mêmes de leur côté. Donc, ça, c'est le canal. On a aussi les options de trois petits points ici. Euh, je peux venir masquer le canal. Quand je le masque, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va venir, il est en italique en ce moment. Je vais avoir un canal masqué. Ça veut juste dire qu'il faut que j'appuie ici pour mieux le retrouver. Ou je peux l'afficher. Donc, si j'appuie sur l'afficher, il revient, il n'est plus en italique. Je peux le retrouver en tout temps. Comme on a dit, on peut avoir jusqu'à 200 canaux, 200 canaux. pardon, Le pluriel à ma donne trouve. Alors, ici, on peut l'avoir. Je peux en avoir 200. Je peux les masquer. Et là, dans ma liste de plus, je vais être capable de les retrouver. On peut aussi, pour les notifications, je peux désactiver les notifications. Donc, au départ, si quelqu'un commence à parler dans le canal, me met le « à commercial », je peux venir faire en sorte que je ne veux plus avoir de notifications quand les gens travaillent ici. Par défaut, je peux aussi choisir toutes les activités. Donc, mon canal « Aide », je peux le dire à chaque fois que quelqu'un écrit dans « Aide », je veux que ça vienne me dire que quelqu'un vous a écrit dans le canal « Aide » et ça va être ici dans la notification. Je peux aussi prendre le lien ou modifier le canal. Je ne peux pas prendre un canal général et le mettre en privé. Et je ne peux pas prendre un privé et le mettre en général. En fait, attention, on ne peut pas changer ça. Je peux aussi venir ici dans un canal privé, trois petits points. Je peux venir ajouter un membre. Donc, ça c'est les canaux en général. Les canaux, mon Dieu. Donc là, on a vu l'aperçu d'un Teams. On a vu un aperçu de ma classe dans Teams. Je vais voir aussi vite fait. Comment est-ce que je viens gérer le tout? Alors, quand on appuie ici sur les trois petits points, j'ai ma petite roue de gérer l'équipe. Par défaut, j'ai mes membres. Alors, ici, mon, mon, ma classe est vide. Je vais ajouter un élève juste pour euh, une démonstration. Donc, en haut à droite ici, j'ai ajouté un membre. Je vais choisir une élève, Adèle. Alors, je vais ajouter Adèle ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'Adèle, maintenant, j'ai un membre. J'appuie et j'ai Adèle. Je peux la mettre en tant que propriétaire. Donc, si j'ajoute un autre, peut-être un, un autre professeur qui enseigne avec moi, je peux maintenant propriétaire. Je peux aussi ajouter un mot-clé. Ça, c'est plus intéressant pour, disons, primaire, secondaire. Si j'enseigne si cinquième, sixième année ensemble, je pourrais venir mettre ça, c'est un groupe de cinquième, sixième année. Les mots-clés sont utiles aussi pour si j'ai besoin d'avoir l'attention de certains étudiants dans mes annonces, dans mes publications. Si je dis qu'elle, elle est groupe 1. Dans les publications, je vais être capable de faire à commercial groupe 1, et là, tout le monde qui a cette balise va se faire notifier qu'il y a eu un message. Alors, je pourrais faire euh, à commercial groupe 1, votre présentation, c'est vendredi, faites sûr d'être prêt. Et là, seulement les élèves qui ont le groupe 1 vont avoir l'activité qui va dire Ah, quelqu'un vous a parlé. Ensuite, si on a le carré qui a pas de mots, alors dans la traduction vers l'anglais du français, euh, malheureusement, le mot a brisé. Ici, c'est le muet, donc si vous avez un élève qui parle, qui n'arrête pas de, de mettre des textes qui sont inappropriés, on peut venir appuyer sur le muet et là, l'élève n'est plus capable de venir interagir dans les commentaires de la classe en leur ôte leur voix. Alors, je sais qu'au cégep université, vous êtes euh, ouais, université, pardon, des adultes, si quelqu'un vraiment n'est pas approprié, c'est à vous, on peut juste les éjecter avec le X, ça ne fait pas partie de ma classe, on peut juste les supprimer. Ça, c'est à vous. J'imagine qu'on ne va pas l'utiliser tant que ça, celui-là, mais oui, on peut venir mettre un élève sur muet. Demande en attente, c'est quelqu'un qui essaie de joindre votre classe, qui a besoin de se faire laisser rentrer. Je peux venir gérer les canaux ici, à l'intérieur. Alors, ici, est-ce que je l'affiche pour tous les membres? Si je ne l'affiche pas pour tous les membres, ça va juste faire qu ce que ça fait au, au passé. Quelqu'un dans ma classe va avoir le deux canaux masqués. Ils ne vont pas voir ou à afficher pour moi même chose, est-ce qu'il est masqué ou non. On voit aussi si c'est un canal public ou un canal privé. Et là, je mets trois petits points, mes options pour gérer le canal. Je peux aussi retrouver les canaux supprimés ici. Et je peux en ajouter un nouveau, soit de là, ou avec, le, avec les trois petits points, acheter un canal. Et finalement, je vais aller voir les paramètres avec vous. Donc, les paramètres généraux de la classe, je peux venir changer le thème. Alors, ici, quand j'appuie sur modifier le thème, je peux choisir une image pour faire en sorte que ma classe, à la place d'être juste SD avec un carré rouge, ça va être plus facile à retrouver avec une image. Je peux aussi gérer les autorisations des membres. Je vous dis par défaut, commencer en ce moment, c'est assez bien. On peut venir autoriser les membres à créer des, des onglets, créer des canaux, créer des applications. C'est avec vos élèves. Non, s'il vous plaît, on ne fait pas ça. Vous allez vous donner des, des griefs. Ça va être mauvais. Euh, mais si on fait une équipe entre personnels, on peut venir aussi gérer des, 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 euh, des autorisations assez similaires ici. Alors si on crée une équipe entre départements, peut-être que je veux ôter ou donner accès aux autres personnes de mon département à faire des, canals, euh, des canaux, acheter des applications et tout. Par défaut, les membres peuvent supprimer leur propre message et modifier leur propre message. Alors ça, c'est assez bon. Encore une fois, on travaille des adultes pas trop de, de troubles ici, pas trop de gêne. Chez euh, sais qu'au primaire secondaire, des fois, peut-être qu'on veut loter, comme ça, l'élève, s'il fait euh, beaucoup de taxage en ligne, on est capable de faire en sorte que qu ce qu'ils écrivent, c'est permanent. Je vous avertis, pour l'instant, à date, vous n'êtes pas capable d'effacer les messages des autres. Alors, pour l'instant, vous n'êtes pas capable d'effacer les messages d'un élève, juste eux. Autoriser les invités, donc si euh, les invités, on ne va pas trop en parler, c'est quelque chose d'autre qu'un membre. Ce n'est pas quelque chose qu'on va être en éducation. Donc, je vais passer à travers. Les at mentions, dans le fond, c'est ce que je parlais. On peut faire à commercial et mettre le nom de quelqu'un ou le nom d'un canal ou d'une équipe. Et ça va faire en sorte que dans les notifications, dans les activités, tout le monde qui fait partie de l'équipe, du canal ou la personne elle-même qui a eu le à commercial va se faire euh, mettre un message. Alors on peut donner l'accès aux membres ou on peut l'ôter l'accès aux membres. Alors les membres de votre équipe pourraient les étudiants faire à commercial votre nom et là vous allez avoir un ping ou peut-être se faire à commercial aide et tout le monde dans le canal aide va se faire un petit ping, oh, quelqu'un a besoin de vous, quelqu'un demande une question. On peut l'activer ou le désactiver. Le code d'équipe c'est au départ si vous vous rappelez, ça fait quand même une demi-heure de ça, mais au départ, je j'avais montré qu'en on commence une équipe, on avait soit Commencer une équipe ou rejoindre avec un code, c'est là qu'on va retrouver le code. On est dans les paramètres de l'équipe. Quand j'appuie sur générer un code, ça va venir ici me donner un code. Lui, je l'envoie aux élèves. L'élève peut rentrer ce code et là, ils vont s'ajouter à ma classe. C'est une bonne idée, une fois que tout le monde s'est joint à votre classe, de venir réinitialiser le code ou le supprimer. Si je réinitialise, il change. Le vieux code ne fonctionne plus. Donc, un élève ne peut pas venir euh, dire à un ami Ah, oh, voici le code de ma classe, viens de joindre, même si ce n'est pas ta classe. Une fois qu'on a changé le code, le nouveau, le vieux, pardon, ne fonctionne plus. Je peux aussi supprimer. Et là, le code ne fonctionne plus. Les gens ne peuvent plus vraiment joindre ma classe avec un code. Je préfère réinitialiser. Comme ça, si un élève euh, se joint à ma classe plus tard, à drop le tout. Je suis capable d'envoyer le deuxième code aux nouveaux élèves. Comme ça, je suis capable de faire en point que quelqu'un peut continuer à re rejoindre ma classe. Mais euh, je n'ai pas de mauvaise surprise une semaine plus tard. Outil amusant. Euh, dans le chat, alors quand les gens se répondent dans vos commentaires, ils peuvent acheter des GIFs ou ils peuvent acheter des autocollants ou des, des memes pré-générés. Alors, ça, c'est pré-fait dans Teams. On peut les avoir ou les ôter. Donc, euh, si on ne veut pas que les gens soient capables de se répondre avec des autocollants ou avec des petites images qui bougent, on peut les désactiver. Le son bloc-notes pour la classe est géré par le bloc-notes et non par Teams. Et les mots-clés ici, euh, c'est les balises que j'ai mis au départ. Donc, beaucoup d'informations, mais ça, c'est les paramètres de la classe Teams. Alors, si je retourne en général pour vous montrer, ici, euh, je n'ai parlé assez. Si je fais à commercial adele, vous voyez que maintenant, son nom apparaît en bleu. Je ne sais pas si on le voit tant que ça, mais si j'écris un texte maintenant et je l'envoie, Adèle, quand j'appuie sur Envoyer, Adèle va se faire dire qu'il y a une nouvelle notification dans l'équipe pour vous. Je pourrais aussi faire, comme j'avais dit, le groupe 1 qui apparaît, ou je peux aussi faire par canal. Alors, des façons de venir notifier les gens. Pour notifier la classe au complet. Je vais faire à général, c'est un accent aigu. Général et là tout le monde dans, dans le canal général qui va dire c'est tout le monde dans la classe va se faire notifier avoir une notification qui a un message. Donc là je vois c'est des questions, c'est que ça fait une demi-heure que je parle on est allé à travers vraiment par défaut qu'est-ce que je fais dans mon team, qu ce que je fais dans ma classe. Après mon temps de questions on va aller voir comment est ce que je viens gérer faire euh, une réunion avec mon équipe, comment est-ce que j'ai géré un peu ma réunion. Et on va aussi parler du clavardage. Alors, on va faire ça après. Est-ce qu'il y a des questions sur qu ce qu'on vient de voir sur les équipes Teams? Je vois qu'il y en a dans le chat. Oui, c'est normal. Donc, l'option de créer une équipe, certaines écoles décident de la fermer. Donc, ils vont créer des équipes pour vous. Euh, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez quand même accès aux mêmes options de gérer l'équipe. C'est juste que votre département TI va les créer pour vous. Ah, C'est ça, on vient de vous répondre. Merci. Si vous n'avez pas accès aux autres onglets dans votre classe, ça veut dire que ce n'est pas une classe Teams. Excusez, l'autre bar. Si vous n'avez pas accès aux onglets euh, devoirs, bloc notes et notes dans votre Teams, ce n'est pas un Teams d'une classe, c'est un Teams général. Alors, ça, il faudra demander si vous voulez mes accès que je vous ai montrés il va falloir demander au TI de le, de le créer. Euh, par défaut, si vous avez juste ces deux onglets-là, c'est une équipe défaut. Euh, on est quand même capable de venir travailler ensemble, mais vous n'allez aussi pas avoir. Le document de support de cours, ça va être vraiment une bibliothèque partagée. Ça c'est à voir avec votre département TI. Si vous utilisez, disons, euh, je ne sais pas, Léa, Omnivox, peu importe, peut-être que votre école préfère qu'on utilise euh, ces environnements-là pour donner des devoirs. Dans une équipe de base, vous avez quand même accès aux mêmes canaux, alors canal privé ou général, c'est la même chose dans un Teams de base. Euh, les options, peut-être que pour vous, ce serait une bonne idée de venir voir les paramètres, parce que les paramètres sont différents. Euh, si c'est une équipe classe, une Teams classe, c'est comme ça mes paramètres. Peut-être que la vôtre, il y a plus de choses cochées. En fait, attention, venez voir à l'intérieur. Euh, je vous suggère ça si ce n'est pas une Teams de classe. Les autres onglets, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'en parle pas tant que ça. Euh, je sais que vous n'y avez pas tout accès. Uh So this is for your IT department and it's in English, so I'm just going to go over it real quick. St you storing documents on Teams, Teams is not storage. Teams is not a document storage. It is a document sharing. So be careful about that. This space if it's a class Teams, you have access to putting docs for view only. If it is not a classroom Teams, this is a sharing space. It is not a document hosting space. It is a document sharing space, which means, again, students have full access to modify what you put up there. It is not a photocopy. It is not each student gets their own copy. It is every single person in that Teams can go in. Edit it, and everyone can see what they're doing. So, this is not a good space to store files, it is a good space to share files. Big difference. Donc, euh, si tu ajoutes un à commercial et tu écris un message, les personnes ne recevront pas une notification, mais les membres vont voir les messages si le membre ouvre le Teams. Le A commercial, tout le monde va être capable de voir le texte. Alors, si j'écris un A commercial euh, Adèle, tout le monde va voir que j'ai écrit ça dans les publications. Euh, mais Adèle va être la seule personne qui va avoir. Ben ça dépend aussi. Si quelqu'un a mis, comme je vous ai montré, quelqu'un peut faire en sorte qu'il y ait une notification de toute l'activité. Donc, si quelqu'un a coché toutes les activités, ils vont se faire dire qu'il y a un nouveau message. Par défaut, on se fait juste notifier les choses qui nous sont adressées. Alors, si j'adresse à Adèle ou à mon groupe 1, tout le monde va voir le message. Mais juste Adèle ou groupe 1 va avoir le petit ding et là, ils vont venir voir dans l'activité. Ils vont venir voir ici, ah, quelqu'un vous a parlé. C'est ça la différence. Pour un message privé, on va aller voir euh, comment est-ce que je peux envoyer un message privé. Ça, ça va être plus avec. Euh, il faut voir avec votre de votre bord, la, la vidéo va vous être produite, je pense, par courriel plus tard. On va en parler à la fin. Donc, euh, bonne question, sauf ou bon scénario. Si je veux parler en privé à un étudiant, ce n'est pas une bonne idée de le faire dans la publication parce que là, tout le monde va le voir. Pour parler en privé, c'est là que le clavardage arrive. Alors, clavardage ici, c'est comme des textos qu'on s'envoie. Pensez à votre cellulaire, j'envoie un texte à quelqu'un. On peut faire ça ici avec le message privé. Le clavardage, en haut à droite, on a le crayon avec le papier. Ça, ça me laisse commencer une nouvelle conversation. Je peux choisir une seule personne. Donc, je peux choisir Adèle. Et là, je peux commencer à parler avec Adèle. Donc, euh, mon étudiante, Adèle, m'avait dit qu'elle le besoin d'aide, on avait fait une réunion, elle n'est jamais arrivée. Je peux lui dire, euh, Adèle, tu as manqué la réunion. Regardez pas mon écriture. Euh, Est-ce que ça va? c'est un message privé que seulement Adèle va voir. Et là, je peux aussi avoir un continu de nos euh, conversations. Qu'est-ce qui est bien ici, c'est que je peux aussi, soit avec mes élèves ou soit avec mes collègues, vous allez voir que je n'ai pas juste l'onglet clavardage, mais j'ai aussi un onglet fichier ici. Alors, avec Adèle, je peux venir partager des documents avec elle. Alors, de mon OneDrive ou de mon ordinateur, ça se fait ici. Ou je peux venir dans mon clavardage, j'ai le petit euh, icône « Joindre ». Et là, je peux venir rejoindre de mon OneDrive ou de mon, euh, de mon ordinateur. Et peut-être que, alors, disons que je parle avec un collègue, ma présentation, on, a, euh, on enseigne le même cours. Je leur dis Hey, euh, je ne suis pas sûr de, de ma présentation est-ce que tu peux venir m'aider? Ou j'ai presque fini, il manque juste les informations, les voici. Je l'envoie. Et là, ça va donner accès. Sinon, peut-être qu'il faut que j'aille du document pour aller donner l'accès à la personne. Mais en général, je viens partager mon PowerPoint avec Adèle. Donc, si je fais ça du OneDrive, ça se peut qu'on doit aller à l'intérieur ensuite euh, du document pour aller vérifier les options de partage. Alors, j'ouvre mon document ici. Je peux venir voir. Euh... Donc, par défaut, il se partage avec Adèle par défaut. Alors, comment je fais ça On a la conversation ici. Alors, il est en mode partage dans la conversation avec Adèle. Par défaut, je n'ai pas besoin de venir gérer les accès. Parfait, c'est super simple. J'ai ajouté le PowerPoint. Il se télécharge dans notre fichier partagé. Et là, Adèle peut venir travailler en temps réel avec moi dans le PowerPoint. Je peux aussi faire ça à travers les fichiers de mon ordinateur. Alors, venir télécharger un de mes dossiers de mon ordinateur en temps réel. Alors, c'est sûr qu'avec une étudiante, peut-être pas plus intéressant. L'étudiant peut venir partager avec vous un document, sauf, alors, euh, j'ai de la misère, je ne sais pas comment de un à un vous faites. C'était plus intéressant pour vous avec un collègue. Alors, on travaille ensemble sur un document. On peut faire ça à travers Teams. Et comme vous voyez, je n'ai qu'à appuyer dessus. Je suis encore dans Teams. J'ai le document. Je peux travailler dessus. Mon collègue peut travailler dessus avec moi. On va voir les changements en temps réel. Et je peux ouvrir conversation. Et là, sur le côté, j'ai la conversation avec mon collègue que je peux venir continuer. Alors, ah, peux-tu me rejoindre sur euh, diaporama numéro 17? J'ai des questions là-dessus. Alors, ça, ça se fait ici. Super bien. Ça, c'est le partage. Alors, ça, pour des conversations privées. Je peux aussi faire une conversation de groupe ici. Donc, quand je commence, je peux acheter plusieurs personnes. Donc, Adèle, je peux aussi acheter Alex. Donc, pour les étudiants qui font des groupes ensemble, j'ai déjà une conversation avec Adèle et Alex. Alors, ça me rassure qu'est-ce qu'on fait au départ. Pour vos étudiants, ils sont capables de se faire un groupe chat comme ça. Et là, ils peuvent s'ajouter un document et ensemble travailler dessus en temps réel. Alors, on n'a pas besoin de créer un, un canal privé pour tous nos groupes d'enseignement. Si on leur donne, vous êtes un groupe, à travailler ensemble par clavardage, ils sont capables de le faire eux-mêmes ou même de leur OneDrive ou même, ils ont beaucoup d'options, alors on n'a pas à stresser, on n'a pas à leur donner un espace de travail ensemble. Il y a beaucoup d'autres places pour eux à le faire. Donc, ça, c'était le clavardage. Comme je sais que pas toutes vous utilisent Teams en en classe. Je sais que pour certains d'entre vous, ce n'est qu'une place pour venir regrouper les étudiants. Euh, on ne va pas regarder les devoirs aujourd'hui. Je veux regarder maintenant avec vous les réunions. Alors, on a regardé où est-ce que je viens parler avec mes étudiants, tout le monde ensemble. On a regardé les espaces qu'on peut leur offrir à eux ou à tout le monde pour le partage, venir travailler ensemble. Les fichiers, comment est-ce que je n'ajoute un? On a aussi vu... Juste, vite fait aussi, euh, au cas que ce pas clair, le bouton téléverser me laisse venir ajouter des fichiers et des dossiers. Je peux aussi venir dans mes dossiers à moi, drag and drop à l'intérieur euh, pour venir charger des fichiers. Donc, ça, c'est où je peux en ouvrir un nouveau vierge. Donc, euh, si j'ai des PowerPoint, là, je peux juste en prendre un, le glisser à l'intérieur ou venir le téléverser ici et ça vient l'ajouter à ma banque de données, Partager. Donc maintenant, j'ai arrangé ma classe. Comment est-ce que je fais pour venir enseigner? Comment est-ce que je fais pour venir rejoindre tout le monde, partir un meeting? Deux options. On peut soit aller en haut ici. Je ne vous conseille pas d'utiliser « Démarrer une réunion ça, ». Ça, tout de suite, si j'appuie dessus, ça va m'ouvrir mon onglet. Ça va commencer une réunion tout de suite, live. Euh, Ce n'est pas toujours la meilleure idée. On peut appuyer sur la petite flèche et on peut planifier une réunion. Alors ça, ça se fait ici. Quand j'appuie dessus, ça m'ouvre mon onglet pour planifier une réunion. Alors, le titre, on va appeler ça la, la classe de sciences euh, 2.03.02. Je ne sais pas que je l'avais appelé, là. Imaginons que c'est ça. Hiver. Prends tu un S? Anyways. Hiver Je peux ajouter des personnes, donc je pourrais ajouter les étudiants un à un. Mais par défaut, vu que j'étais dans le canal général de ma classe, vous voyez ici, j'ai l'onglet canal. Ça me dit dans la science de la nature 2A. 0302, hiver 2021, général. Alors, ça va inviter tout le monde dans mon Teams du canal général à cette réunion. Et par défaut, le canal général, c'est le canal que tout le monde fait partie de. Alors, par défaut, tout le monde dans ma classe va se faire inviter à cette réunion. Je n'ai pas besoin de les ajouter un à un vu que je les ai partis du canal. Je peux choisir la date et l'heure. Donc, de 11h à midi, ma classe, je peux faire la journée entière, mais je ne pense pas vous enseigner une journée entière. Et je peux aussi répéter ça. Alors, peut-être que ça va être chaque semaine. Tous les jours de la semaine, tous les jours, chaque semaine, alors chaque, euh, ça c'est quoi, on est jeudi, chaque jeudi, 11h à midi, on va avoir notre classe. Et là, je peux acheter des informations ou une position. Quand je fais ⁇ Envoyer ⁇ on va retourner. Ça me ramène ici dans mon canal général. Et là, vous voyez qu'il y a une publication qui apparaît qui dit à tout le monde ⁇ Ah, on a une réunion ce jour-ci. ⁇ Si j'appuie dessus la réunion, ça va me ramener ici dans l'onglet de mes détails de la réunion. Ensuite, vous voyez que dans mon, mon bloc de texte en bas ici, ça, ça apparaît. Une fois que j'ai commencé ma, ma, ma réunion, une fois qu'elle est faite, qu'elle est envoyée, ce texte se fait générer et le lien pour venir assister se fait générer aussi. Alors là, mes étudiants ont accès à soit appuyer sur ce que je viens de vous montrer. Alors, ils appuient sur ce que c'est dans publication et on peut rejoindre avec le bouton en haut à droite pour rejoindre la réunion. Ou je peux venir moi-même ici, le texte en bleu, j'appuie à droite dessus pour ouvrir mes options et je peux copier le lien. Faites attention, des fois, si on fait juste le surligner et copier, on va copier le texte. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est le lien à ma réunion. Alors, si je fais copier le lien, vous allez voir, je vous montre, quand je le paste, ça sent à ça. Alors, si on se demande, il hey, est où, où mon lien de ma réunion? Il faut en premier planifier la réunion et après ça, on peut venir chercher le lien. Et là, c'est un élève, ah, oh, madame, je ne trouve pas le lien. J'ai ouvert la canale générale, mais je ne vois pas la publication. On peut prendre le lien, l'envoyer à l'élève et n'ont qu'à appuyer dessus pour se joindre à la réunion. Alors, on a aussi les options ici, donc je vais venir avec vous. Une fois que la réunion est conçue, on l'a préparée, on peut l'annuler ou on peut venir voir les options. Alors, les options de le cours ici vont s'ouvrir. Donc, euh, au fur et à mesure que Teams progresse, aussi si j'ai une réunion, euh, si j'utilise l'application de bureau, j'ai un peu plus d'options que si j'utilise en ligne, mais pour l'instant, de base, ça ressemble à ça. Donc, la salle d'attente, c'est euh, quand quelqu'un se joint, il y a un petit ding-ding, euh, et là, je peux dire oui, tu rentres, non, tu ne rentres pas. Les gens peuvent l'éviter. Alors, les gens de mon organisation, ça veut dire mes élèves, s'ils utilisent leur adresse courriel de l'école, ils n'ont pas besoin d'attendre à la salle d'attente. Je peux dire que c'est juste moi. Donc, je force tous mes élèves à attendre. Je peux dire les membres de mon organisation et organisation approuvée. Donc, de mon bord, il va falloir que je gère ça. Ou je peux dire tout le monde. Donc, ça ne me dérange pas si Sandra utilise son Gmail elle va pouvoir voir ma réunion. Pour sécurité, je, je vous suggère de prendre les membres de mon organisation peuvent éviter la salle d'attente. Ensuite, ici, euh, bien, il y a non, parce que toujours laisser les appelants ignorer la salle d'attente. De toute façon, euh, tous les gens de mon organisation peuvent l'éviter. Annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont. Moi, je dis oui. Donc, dans le chat, euh, par exemple, on peut le voir ici. Si je m'en vais un peu plus euh, par en haut, on va voir les gens qui ont quitté la réunion ou les gens qui ajoutent à la réunion. On va se faire dire au fur et à mesure. Donc, ça, ça existe. C'est peut-être bon pour vous pour faire euh, les, les attendance, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Qui est-ce qui peut présenter? Par défaut, tout le monde. On peut dire que c'est juste vous. Alors, présenter, ça, c'est comme je fais en ce moment, partager mon écran, euh, et aussi parler à tout le monde, est capable de manipuler les micros des gens, le tout. Alors, peut-être que pour vous, juste les personnes spécifiques ou vous uniquement sont capables de présenter. Si vous avez, comme euh, j'avais dit, on a des, des gens dans la classe qui vont présenter ce jour-là, je pourrais dire personnes spécifiques, et là, ça va être à moi de revenir dans mon onglet et choisir de les gens que j'ai invités qui est-ce qui va être capable de venir présenter. Et je peux autoriser les participants à activer le son. Je peux dire non ou je peux dire oui. Alors ici, je ne peux pas enregistrer parce que euh, il va falloir que je le laisse à tout le monde parce que je n'ai pas invité de gens. Il n'y a personne dans ma classe. Personne n'a été invité à ma réunion pour de vrai. Quand on a fini, on fait enregistrer et le tout se sauvegarde. Donc, ça, c'est les options de la réunion. Alors si ça, ça se fait à travers l'équipe Teams, on peut aussi le faire à travers l'onglet euh, Ignorer, je n'ai pas besoin de modifier mes choses. Donc, ça, ça se fait ici. Je peux aussi faire à travers le calendrier. Donc, si la classe que je viens de créer avec vous, la réunion, elle apparaît dans mon calendrier, peut-être que je veux aussi, j'ai un cours le mardi matin. Alors, je peux juste aller dans mon calendrier et je peux appuyer où est-ce que je le veux. Donc, 9h le matin, le mardi, j'ai un cours. Alors, si je veux acheter un titre. Et là, je vais devoir acheter des gens ou un canal. Alors, ici, dans l'onglet Canal, je peux choisir un seul canal à la fois. Je ne peux pas inviter deux teams en même temps. Alors, je peux choisir ma classe d'algèbre. Si je prends Canal Général, tous mes élèves vont être invités. Si j'utilise un autre canal, ça va être juste les élèves qui ont accédé au passé qui vont être invités à cette réunion. Donc, par défaut, pour inviter une classe au complet, on choisit la classe. On choisit Canal Général. Si, si j'ajoute personne, je n'ajoute pas d'élèves, je n'ajoute pas de canal, je, je me bloque un cours, je me dis, je vais envoyer par courriel à tout le monde le lien. Faites attention. Quand je bloque un temps dans mon agenda comme ça et que je n'ai pas ajouté de personne, le lien de la rencontre ne va jamais se faire créer. Alors ici, ce n'est qu'un bloc de rappel, ce n'est pas une réunion Teams parce que je n'ai pas invité de gens. Et je n'ai pas ajouté de canal. Je ne peux plus ajouter de canal une fois que j'ai créé. Donc, ici, je vais, je vais être obligé, une fois que c'est créé, soit de supprimer et de recommencer ou d'inviter mes élèves un par un. Il y a quand même une façon d'aller à travers ça. Personnellement, moi, si j'ai besoin de faire une réunion, je ne sais pas qui est-ce qui va venir, mais je veux juste leur donner le lien. On peut ajouter, si vous avez plusieurs adresses courriel, personnellement, moi, je peux le faire. On peut soit ajouter euh, un collègue, dire. J'ai juste besoin de me créer un lien, ignore ça. Ou si vous avez plusieurs adresses courriel, on peut s'ajouter soi-même. Le moment que j'ai ajouté une personne à ma réunion, ça devient une réunion Teams. Maintenant, le lien apparaît. On a généré, je peux mettre je peux venir rejoindre plus tard la réunion. Alors par défaut, il faut ajouter au moins une personne ou un canal pour que ça devienne une réunion Teams. Si j'ajoute personne, ça va juste être un temps bloqué dans mon horaire. Alors. Maintenant, dans une réunion Teams, je vais revenir ici. Je suis sur mon Teams avec vous, euh, public. Ce n'est pas ma réunion, donc je n'ai pas les options comme de breakout rooms et le tout. Euh, mais en tant que personne dans une réunion Teams, si vous ne l'avez jamais faite, je vous suggère de prendre un collègue et venir jouer avec les, les breakout rooms et tout. C'est quoi les, les breakout rooms? Ça va être deux petits carrés. Alors, vous allez avoir euh, ici une quatrième icône. C'est un carré avec un carré plus petit à côté. Je vous suggère de jouer un peu avec. En tant que présentateur, qu'est-ce que vous avez accès à? On a les petits bonhommes. Alors, moi, sur le bureau, ils sont ici. Si vous êtes sur le web, la barre d'options va être en bas ici. Les petits bonhommes vous donnent accès ici à voir les participants ou les présentateurs. Alors, si on organise une réunion où est-ce que vous êtes, euh, vous avez choisi que seulement vous. Où les autres élèves peuvent présenter, ça va être ici. Alors, vous voyez que par défaut, vous n'êtes pas capable de ôter votre muet. Il va falloir lever la main. Et ensuite, je vais vous donner l'option de vous ôter de muet. Si vous n'avez pas fait y ait des présentateurs et des participants, vous allez voir que tout le monde va ressembler comme ça avec des micros barrés ou non. On est capable de venir mettre quelqu'un sur muet. Donc, moi, ça, je ne peux pas. Euh, parce que mon bouton est là. Si un élève parle, par accident, on a fait euh, tout le monde est présentateur. Un élève on entend de l'arrière-plan, ça n'arrête pas. On peut venir avec les trois petits points. On va avoir l'option désactiver le son du participant. Ça va juste un bar. Je peux désactiver. Je ne peux pas réactiver un micro. Ça, c'est ridicule d'être capable d'activer les choses des gens. Ça ne se fait pas. Mais je peux venir désactiver un micro. Je peux aussi désigner comme présentateur. Donc, si j'ai fait ma réunion, j'ai oublié de donner l'accès à mes élèves qui devaient présenter aujourd'hui, je n'ai pas besoin de fermer le tout et de recommencer. Je peux venir ici et les désigner en tant que présentateur. Et là, ils vont être capables de venir présenter durant la réunion. Le reste, mettre en évidence et épingler, c'est euh, si je mets quelqu'un en évidence, ils vont arriver en plein écran pour moi. Je peux aussi cliquer quelqu'un de la réunion avec le supprimer. Pour les élèves, euh, s'ils utilisent l'option de bureau, vont avoir accès ici avec les réactions ou à lever la main. Et les gens ont accès ici à la conversation. Les autres actions ici, ça va être un peu pour vous, les paramètres de périphérique. Si que quelqu'un vous dit, monsieur, madame, j'entends rien, ça va être à eux de venir peut-être tester leur micro ou leur haut-parleur. Des fois, votre ordinateur en a plus qu'un. Alors, cyclez à travers, voir qu'est-ce qui fonctionne. Ici, tout dépendamment de, de la licence et qu'est-ce qui se passe, on peut avoir la galerie comme celle-ci, le 9 par 9. La plus grande galerie, en ce moment, ce n'est pas ma réunion, euh, mais on peut avoir ici plus que 9 personnes à la fois dans la galerie. Et on a aussi le mode ensemble. Alors, euh, ça, c'est un mode où qu'on voit les gens dans une audience euh, un peu plus amusant. Ici, l'arrière-plan, ça, on peut se mettre en arrière-plan seulement sur l'option de bureau. Alors, si vous êtes dans votre cuisine, vous n'avez pas fait le lavage, le ménage, aucun problème. Alors, euh, je vais vous montrer ça à l'instant. Ça ressemble à quoi? Nos options. De... Je ne peux pas l'utiliser en ce moment vu que euh, je partage mon écran, ça va être un peu bizarre. Et finalement, l'enregistrement, le tout se retrouve ici. Donc, c'est un peu le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Je vous ai montré la base de Gérer une équipe Teams aller à travers. On a vu ensemble, euh, même si on n'a pas une équipe Teams créée, on a les mêmes onglets ici qui vous appartiennent. On a appris les publications. On a appris aussi les fichiers, que c'est un endroit partagé. On a vu comment est-ce qu'on commence des canaux et la différence entre un canal général et un canal privé. On est tous allés voir dans Gérer l'équipe et on a regardé les paramètres d'une équipe. On a aussi parlé de clavardage, de comment est-ce que je rejoins un élève ou une personne et comment est-ce qu'on peut venir travailler ensemble dans le clavardage. On a aussi parlé que nos activités se retrouvent ici. Alors, si quelqu'un nous parle ou quelque chose d'important se passe, on se fait désigner ici. On a aussi parlé du calendrier, comment est-ce que je m'ouvre une réunion ou comment je le fais avec mes équipes. Donc, s'il y a des questions, je vais les prendre maintenant. Pendant que vous les écrivez ou tout, je vais aussi vous offrir euh, des ressources importantes à avoir au futur. Donc, premièrement, pour la séance d'aujourd'hui, je vous donne le code de réussite. Alors, pour le une heure, pour se la faire accréditer, voici le code, je vais vous montrer où l'inscrire. Alors, ici, excusez, il apparaît gros et orange, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais ce code, on est capable de venir le mettre au centre de l'enseignant Microsoft. Alors, je vais vous donner ce lien. Le centre de l'enseignant Microsoft, on peut retrouver ici des formations sur une panoplie de nos outils, alors que ce soit ici BlockNote, euh, il y en a plusieurs, euh, OneNote, comment enseigner à distance, le tout. Je vous suggère de la traverser, c'est assez intéressant. La plupart des cours disent qu'ils sont une heure, mais c'est un peu plus vite que ça. On se connecte en haut à droite, il y a le bouton euh, de se connecter. Une fois qu'on est connecté, moi j'ai une photo, donc c'est mon visage. Pour vous, ça se peut que ce soit vos initiales. On appuie sur le bouton de une fois qu'on est connecté. On appuie sur le bouton euh, qui représente notre profil. On a accès ici à son profil, le code de réussite ou se déconnecter. Le code que j'ai eu dans le chat, on vient ici utiliser le code de réussite et on le colle ici pour s'être accrédité la réunion, pardon la, la formation. On peut aussi venir voir son profil et là on a la panoplie de badges qu'on a eu avec les cours qu'on a faites sur euh, le site de l'enseignant, et on a la transcription ici, l'attestation de tous nos cours qui apparaît, les cours qu'on fait en virtuel comme ça avec un présentateur avec moi, elle se retrouve ici, il n'y a pas de badge avec, mais elle se met euh, dans l'attestation de cours. Donc ça, c'est le Centre de l'enseignant Microsoft. Ah, merci beaucoup Jessica de l'avoir partagé pour moi. Ensuite, une autre ressource qui est très bonne à avoir, ça va être ici, le euh, aide et apprentissage d'éducation, support Microsoft. Ce site web ici, super. On a des petites questions. On se dit, je ne sais pas comment faire quelque chose dans mon Teams. J'utilise BlockNet pour la première fois. Je ne sais pas quoi faire. Disons que trouver des réponses sur Microsoft Teams, j'appuie ici. Et là, peut-être que je vais venir prise en main. Alors, à propos de prise en main, devoir. Euh, alors, comment est-ce que je fais pour ajouter un co-enseignant? J'appuie ici. Et là, ça vient me dire, étape par étape, les boutons sont où, comment je le fais. C'est très simple, vous voyez, j'ai déjà fini le petit tutoriel. Donc, si j'ai besoin d'apprendre comment faire quelque chose, je n'ai pas le temps de m'asseoir 15 minutes à écouter une vidéo YouTube, on peut venir retrouver beaucoup d'informations ici sur le aide et apprentissage Microsoft. Voici le lien. Bon, alors merci tout le monde de, de votre attention aujourd'hui. J'ai hâte de partager mon écran. Oh, attention avant que j'oublie, j'ai aussi un formulaire. Si vous avez des commentaires sur comment aujourd'hui s'est passé, si vous voulez venir remplir le forms qui se retrouve à, à ce site web ici, alors c'est le aka.ms, oh, je ne pas que ça en arrange. Donc le aka.ms barre oblique et du commentaire au pluriel, ça va retrouver un forms qui va vous laisser mettre, merci Jessica encore une fois, euh, le sondage qui va être pour vous aussi. Donc il y a un sondage de l'Université d'Ottawa pour vous et moi-même, ça va être le .ms et du commentaire. Donc, s'il y a des questions qui restent dans l'audience, je vais venir les prendre maintenant. Après de m'entendre pendant une heure, c'est pas mal votre tour. S'il y a une question, levez la main et je vais être capable de vous euh, ôter de muet. Vous laissez vous ôter de muet. OK. Alors, est-ce que quelqu'un a besoin d'une licence Teams pour avoir accès à une équipe? Par défaut, tout le monde qui a une adresse courriel d'une école a une licence de défaut Microsoft. Alors, quelqu'un qui a une adresse courriel de l'école sont capables d'accéder à Teams par défaut. Si je fais une réunion Teams, quelqu'un peut se joindre avec le web sans être connecté à, à, à Microsoft. Alors, eux, est-ce qu'ils ont accès à mon équipe et tout ce qui est à l'intérieur? Non. Est-ce qu'ils sont capables de joindre une réunion oui, ils n'ont pas besoin de compte Microsoft pour faire ça. Faire une équipe avec des gens externes, ça, il faut voir plus avec votre département TI. Ça dépend des... Euh, la réponse générale, c'est oui, on est capable de faire euh, une équipe avec des gens externes. Le problème, c'est que votre département TI peut avoir restreint les accès pour la sécurité des gens dans l'école. Alors ça, c'est plus voir avec votre direction, voir avec le TI. Euh, et aussi, il y a, il y a des invités qu'on peut venir faire des comptes invités. Euh, C'est un peu plus poussé. Ça ne va pas être à vous de le faire, ça va être au TI de le faire. Alors ça, il faut parler à ces gens-là. Je recommence aussi. On déroule. Okay, ça, je l'ai déjà répondu. Alors, la vidéo va se faire envoyer par vous, par votre département. Après ça, on a Externe. Y a-t-il une fonction pour enregistrer les rencontres, cours et le tout? Alors, oui, comme euh, on vient de voir, je vous ai montré que le bouton euh, dans les trois petits points, enregistrer la session, comme aujourd'hui on vient de faire, on a enregistré la session d'aujourd'hui. Quand on enregistre une session, la personne qui a organisé le cours, d'habitude, c'est vous. Alors, Monique, si c'est encore dans l'audience, euh, la personne qui a enregistré le cours va retrouver l'enregistrement dans son stream, alors Microsoft Stream que vous avez accès. Et ça va aussi vous envoyer un courriel euh, qui dit, donc, pendant que le, le vidéo travail se fait générer, une fois qu'il a fini de travailler, il va vous envoyer un courriel qui dit votre, votre enregistrement est prêt et il va avoir le lien vers l'enregistrement Stream. Donc, en tant que présentateur, vous avez l'option de commencer l'enregistrement de la réunion. Parfait. Donc, ça, c'est toutes les questions que j'avais dans le chat. Ah, non, il y en a une autre ici. Ça, je ne peux pas vous répondre. C'est plus pour votre c'est plus de votre abord. Alors, le comité d'études de d'université permet de faire des entrevues de recherche. Um, J'imagine que ça va être le même procès que d'habitude. Donc, si d'habitude, j'ai besoin de faire remplir un questionnaire à la personne, donc signer que oui, je consente. Le consentement soit envoyer un document à signer en ligne ou au départ demander le consentement de la personne, l'avoir enregistré, que la personne consente. Euh, mais ça, c'est encore une fois, je, je, I'm extrapolating, je ne sais pas, il va falloir parler avec votre université. Alors on dirait que c'est tout. Merci beaucoup de votre attention, comme une fois aujourd'hui. Merci à l'équipe de, de Microsoft aussi qui m'assiste. Je sais que je dépasse le temps un peu, alors pardon de prendre plus de votre temps. J'aime aussi que vous étiez capable de me supporter dans le, dans le chat. J'ai beaucoup apprécié. Euh, merci à vous. Merci beaucoup pour tout, tout l'effort que vous faites de votre part aussi. C'est sûr que c'est moi qu'on voit présenter en ce moment, mais c'est vous qui faites le travail en arrière, donc j'apprécie.